Salut, j'espère que vous allez bien et dans cette vidéo, on va analyser l'opportunité qu'il y a derrière l'achat et la revente de ces produits pour enfants. C'est un produit utile pour enfants, vous l'avez vu dans la pub, c'est un produit utile pour chaque famille, en fait, ce qui a des enfants. Donc du coup, c'est un produit où il peut y avoir de l'opportunité de business. Si toutefois vous voulez acheter ces produits, vous voulez acheter seulement une pièce, il y aura les liens dans la description, le premier lien dans la description pour acheter une seule pièce de ces produits. Voilà. Et vous les faire livrer. Donc, je vais vous montrer à combien se vendent ces produits. Vous pouvez le voir que ce vendeur ici a ce produit dans son stock et il les vend à 69$. 69$. Or, si vous utilisez le lien en description, vous allez acheter ces produits à seulement 30$, comme vous l'avez vu ici. 30$ 24. Donc, du coup, si vous voulez acheter une seule pièce, le premier lien dans la description va vous rediriger vers ce produit en particulier pour l'acheter à seulement 30$ au lieu de l'acheter à 60 quelques de dollars en ligne. Voilà. Mais on est là pour analyser l'opportunité de business derrière ces produits. Parce que même si ces produits se vendent à 30$ ici, on va voir que sur Alibaba, ça se vend beaucoup moins cher que ça. Donc, on va analyser quel budget il va nous falloir pour acheter plusieurs pièces de ces produits, les ramener vers notre pays et les faire et faire la revente et faire des bénéfices. Donc, on va voir s'il y a des bénéfices dans ces produits. Donc, je suis allé chercher sur ces produits sur Alibaba. Comme toujours, il y a des centaines ou plusieurs dizaines de fournisseurs. Et j'ai trouvé que ces fournisseurs-ci étaient idéaux, en fait. J'ai trouvé que ces fournisseurs ici étaient idéaux, en fait, pour ces produits. Et voilà, c'est chose étonnante parce que le produit se vend 60$. Voilà, c'est raisonnable d'acheter ces produits à 30$ sur AliExpress si vous voulez acheter une pièce. Parce qu'on va acheter à 6$ la pièce à partir de 100 pièces. Donc, moins de 100 pièces, vous ne pouvez pas acheter à 6$ la pièce. Donc, le minimum qu'on peut acheter, c'est 100 pièces pour la revente. Donc, c'est pourquoi si vous voulez acheter pour un usage personnel, c'est pourquoi l'acheter à 30$, c'est toujours un très bon deal. Donc, du coup, on voit que ce produit se vend à 6,80$ et on peut acheter le minimum 100 pièces. Donc, on va y aller avec 100 pièces et voir si ça va être dans combien de CBM. Donc, un CBM, c'est 38 pièces. Seulement un CBM, seulement un mètre cube de ces produits. Par rapport aux dimensions du produit que j'ai trouvé sur Alibaba. Donc, par rapport à ces dimensions du produit, un mètre cube, dans un mètre cube de ces produits, on aura 38 pièces. Donc, nous, pour acheter 100 pièces, parce que le minimum, c'est 100 pièces, je vais mettre 100 pièces et voir si ça sera ces 2,6. Or, on ne peut pas laisser cet espace ici, 0,4 mètres cubes. Donc, on doit les remplir. On peut mettre 120, par exemple. 120, c'est trop. 118. 118, c'est toujours trop. On fait 115, alors. 115, c'est toujours trop. 114. Voilà, avec 114, on a 3 mètres cubes de ces produits. Donc, à ce niveau, on sait qu'on doit acheter 3 mètres cubes de ces produits, ce qui sera 114 pièces. On rentre sur Alibaba. Malgré que le prix du produit est moins cher, vous comprenez que le frais d'expédition va nous coûter parce que pour les 3 CBM, on va payer 1800$ parce que c'est 600$ par CBM maximum. Vous pouvez payer beaucoup moins si vous êtes dans d'autres pays, mais ça, là, je parle par rapport à mon pays. Donc, on va faire un petit calcul par rapport à ça. On a vu 113 pièces vont contenir dans 3 CBM multiplié par 6,9, ce qui nous fait seulement 780$ pour l'achat des produits. Or, les frais de livraison, les frais d'expédition, c'est ce qui nous coûte plus cher. On va faire plus 1800$ des frais d'expédition, ce qui nous fait un budget total investi de 2580$. En réalité, c'est 2779,7, mais j'ai dit 2780 pour arrondir. Voilà.
Donc 2 780 $ pour ces produits. Donc 2 580 $ pour ces produits, pour que les produits nous soient livrés dans notre pays. Et puis on sait que ce produit se vend déjà à 60 $ et sur AliExpress même c'est à 30 $. Donc on peut vendre ces produits normalement à 40 $ et ça va aller. Donc on fait les 113 pièces fois 40. Si on les vend à 40 $, on a des bénéfices. On n'a pas beaucoup de bénéfices, mais on en a quand même. Les 113 pièces à 40 $, ça nous fait... voilà, j'ai dit 40 $, mais vous pouvez les vendre à n'importe quel prix. Prenant en compte que ça se vend déjà à 69 $, 70 $ en ligne. Ça se vend sur AliExpress à 30 $. Donc, vous pouvez trouver un bon milieu entre ces deux. Ou carrément, vous les vendez à 60 $. Si ça sera... Ce sera un bon deal dans votre pays. Ça dépend aussi des pays. Donc, du coup, à 40 $, je pense que ces produits peuvent être vendus très, très rapidement. Et à 40 $, notre chiffre d'affaires sera de 4 520 $. Or, on a investi 2 580. Donc, on va faire moins 2 580. Ce qui nous fait un bénéfice net pour les... Pour les 113 pièces achetées, un bénéfice net de 1 940 $. J'avoue que c'est pas beaucoup d'argent comme bénéfice par rapport à un gros produit comme ça. Donc du coup, si vous voulez le revendre les produits à 50 $ peut-être, parce que ça se vend déjà en ligne à 70 $, je pense que ça peut aller. Donc c'est un peu ça l'opportunité qu'il y a derrière ces produits. Si vous voulez vous lancer dans l'achat et la revente, vous pouvez utiliser les liens dans la description. Et si vous voulez acheter une seule pièce, utilisez aussi les liens AliExpress dans la description. On se voit de l'autre côté ici où j'ai fait plusieurs autres analyses des produits comme ça. Donc, je vais mettre une série de vidéos ici où vous pouvez trouver plusieurs autres analyses des produits. Peut-être que vous allez trouver un produit qui va vous intéresser pour le business. On se voit de l'autre côté. Laissez-moi un like avant de partir. Peace.